Alors qu'Emmanuel Macron était en déplacement à Clichy-sous-Bois, ce mercredi 8 juin, il a été arrêté par une habitante. Celle-ci lui demandant clairement une aide financière. Une interpellation assez rare pour le président. Un déplacement placé sous le signe de l'accès des jeunes aux activités sportives. Alors qu'il mène à bien sa mission, Emmanuel Macron est rapidement interpellé par une habitante, de façon plutôt familière. « Monsieur Macron, je suis handicapé depuis 8 ans et on ne m'a jamais dédommagé. J'ai une maison à 882 euros, j'ai payé chaque jour, chaque mois, je n'y arrive pas. » La clichoise ajoute, « Mon chéri, aide-moi. Je suis handicapé, je ne peux pas descendre l'escalier. Mon ange, je veux une maison, un logement, ou bien un petit pavillon. Aide-moi mon ange. Ils ne m'ont jamais dédommagé. » Des propos qui n'ont pas manqué de faire sourire le président. Lors de ce déplacement, le chef de l'État a reparlé de son opposition au projet de Jean-Luc Mélenchon. Un projet d'interdiction et de taxation de la NUP. Emmanuel Macron se rendra dans le Tarn, ce jeudi 9 juin.